Hallelujah. Thank you.
Thank you.
Salut Théo Delorge. Attends, je vais allumer ça. Tu peux s'entendre pas. Eh bien, bonjour. Eh bien, bonjour. Au revoir, Théo Delorge. Ah ouais, attends. Faut que tu te mettes sur celui-là. Attends, mets-moi là et je vais me mettre là. Tu sais, comme on avait dit pour la présentation. Ouais. Ah, par contre, tu me laisses en direct et toi, tu me fais des coups de... Un de deux microphones. Bienvenue à cette 9e journée de nationale. Présentation des joueurs aujourd'hui. Monsieur le président, s'il vous plaît. Elle arrive, je les ai vus, ils étaient au bout du couloir. Non, non. En retour ? Je suis pas galéré avec la porte. Vas-y, merde, faut pas que je te demande comme mec. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci. Faut pas dire. Bravo à vous, vous la première, parce que ça c'est bien. On va en faire un. Devant du public. Ça, c'est bien, j'avais pu arriver jusqu'à 16h. Hein. Donc merci à vous de venir au moins les applaudir pour ce moment-là. Merci à la Rochelle de se déplacer et puis d'arriver sur Argenton. Bienvenue à vous. Et puis on va vous recevoir du dimanche, j'espère. Sur ce,
Je vais pas parler trop longtemps, je vais vous laisser présenter la totalité des équipes et passer du bon moment et prenez du plaisir. Le badminton, c'est aussi un partage. Partageons ce moment ensemble. Merci à vous tous. Bah, éteins les deux. Alors, pour le club de Lars Jury, Noël François. Noël Stéphane. Ouais. C'est M-O-T-P. Ah, yes. J'ai envie de voir qui se cache, qui se cache. Pour le club d'Argentine, Léonard Gidao. Je vais faire une grosse prestation aujourd'hui. Oui, il manque une joueuse. C'est ce que je disais, t'imagines, ça aurait été énorme. Il manque... Tu m'as pas débranché. J'ai compris. Je n'entends pas de l'âge. T'es vraiment un bâtard. Par contre, préviens-moi quand tu fais ça. Parce que... Ça peut être très risqué, oui. Oui, Loïc, tu m'entends, Christophe ? C'est là que tu regardes le son. Là, ouais. Là, tu peux dire. Lui qui lui a dit de faire vraiment dès qu'il est sur le point d'arrêter, c'est les deux. Le connaissant, ouais, je pense que c'est les deux. Oui, c'est les deux ensemble. C'est ça, c'est la caméra de là-bas. Salut Tao. Salut tout le monde, salut les internautes. Donc on va faire notre premier petit avant-match avant que le match commence. Voilà. Petit pronostic de ta part. Là sur la rencontre Argenton La Roche-sur-Yon, je vais être très objectif, je vais dire 8-0 pour Argenton. Ok, merci pour ton objectivité. On vous retrouve tout de suite sur la première rencontre. Après une courte page de plus. Bonjour à
Présentation des deux premiers matchs sur le terrain numéro 1. Ils sont longs, ils sont linéaires. Louis Pascal et Zoé Trigona. Sur le terrain numéro 2, ils sont tout en puissance. Alfred Leroy et Maël Calvagnac. Très très belle défense de Louise, oui. Voilà, là, on retrouve bien l'identité de Louis sur le terrain, jusque sur sa carte. Poignot. C'est bien jugé. Ouais, c'est très bien. Le match suit son cours.
Bon, Tao, peut-être dernière rencontre à domicile. Peut-être, ouais. Content de pouvoir jouer. Jouer sur tous les points. De mes partenaires. Mais en même temps, est-ce que c'est pas là où tu es le meilleur derrière le terrain? Mais bien sûr que si. Je pense qu'aujourd'hui, je suis le plus à ma place. Ouh là là, il s'est envolé. Et ça y est, il vient de redescendre. Il faut qu'on te donne un micro. Je pense qu'on t'entend. Oui. Ok. Ça, c'est excellent. Zoé, en tant que compte vert, tu fais la différence. Dans la finition, excellente Zoé. Bravo Zoé. On me permet sur le duplex à droite. On est sur un 6-2. 7-2. Les deux matchs super courts. Sur le court. Les commentateurs n'ont rien à dire. En vrai, si on est bon, on sera peut-être prêt à la FFZ. Oui. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Pour les 6 personnes qui nous regardent. Les gens qui pensaient être sur le site des badminton USA, États-Unis, et qui se sont perdus. Bienvenue à tous les spectateurs de Los Angeles. C'est la pause. On va vous mettre un peu de pub. Fred, un peu. En fait, ouais. Ouais. On sent que les kebabs ont fait. Ouais, belle interception. Aussi, elle est énorme. C'est là-dessus qu'on connaît son niveau de jeu. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est un peu là où vous vous êtes démarqué au championnat de ligue. Ouais. Vous aviez vraiment. C'est souvent quand elle arrivait bien à prendre les options sur l'avant et du coup, je pouvais bondir derrière, sauter et éviter de mal retomber sur la. Elle a assez présenté ton certificat médical avec un relâché serré à la table de marque qui m'a impressionné. Il manquait de pied frappe, mais. Pour le moment, ça gagne partout. Nous vous rappelons la rencontre. Et ça repart sur le terrain numéro 1. Nous sommes à 1-1. 1-2-1. Okay. Ah oui, c'est bien jugé. Attention quand même à ne pas aller trop vite en besogne sur les premiers coups. Je crois malheureusement qu'on tombe sur une rencontre qui ne mérite aucun commentaire. Ça dévisse, on peut faire des rouges. Zoé a repris l'entraînement, ça se voit quand même. Oh, on fire. Oh là là. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on vous propose. Ah, ça, c'est du badminton. Il est chaud. Un ami qui prend des initiatives sur le devant du terrain. Je ne vais pas un jeu de commentaire là-dessus. Et pourtant. Ben Zoé, qui l'avion. C'est pas mal. Les spectateurs sont dans la salle, visiblement. Est-ce qu'il y a un match on fait une petite dédicace à tous nos blessés. Alors, on n'a qu'un quart d'heure, donc je ne pourrais pas tous les citer. Et forcément, un gros bisou à Clément Vancheron qui nous regarde sur une main. Est-ce que tu as un match que tu attends avec impatience, Théo Delorge? Moi, c'est le double dame.
Le Big Data dans mon cou, parce que je crois qu'ils sont forfaits. L'occasion, un bon double dame, l'occasion de faire une bonne pause à la buvette. Voilà. Si avec ça, j'ai pas quelqu'un qui porte plainte contre moi, je ne comprends pas. Deux cafés entre chaque dégagement. Ça joue bien, hein. Ça joue bien. Pour l'instant, les rouges nous présentent un budget tout à fait correct. Hein. Très, très correct. Très correct. Ouais. 19-4. Ouh. Il y a, c'est les 5 qui passent. Ouh. 2. Ouais. Oui, pour avoir le score. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Sinon, on demande de passer à la pause comme ça. C'est en mode. Premier save. On va remporter pour lui et Zoé. 21-5. Oui, alors je crois que l'arbitre répète ce que vous venez de dire. Heureusement que vous êtes là, Tao. Heureusement que vous êtes là. Je vous vois pas parce que je vous respecte, mais parce que je sais que vous êtes plusieurs dans votre tête. Et premier set remporté aussi sur le terrain numéro 2. Les Argentinais en folie. Ah, Emilie arrive avec son discours professionnel. Ça envoie du gros pâté. Sa spécialité. Vous le verrez sur le simple dame. Le pâté. Par contre, on pourrait revenir. Alors, je vais revenir sur le terrain pour avoir un petit débrief sur la coupe capillaire de Louis Fasquelle. Je m'interroge. Quel est peut-être une tentative. Quel est ce schéma? Est-ce une carte? Avons-nous une sorte de sortie de prison, schéma, quelque chose? Moi, je le garderai, je le regarderai. C'est vachement stylé. Ah, peut-être la coupe du double macaron. Sa tante qui est toiletteuse avait besoin d'un un cobaye. Ah, je crois qu'on est sur une blessure côté féminin en face. C'est con parce qu'ils avaient déjà trop de filles, donc c'est pas très grave. Mais... Ah, mais c'est dommage. Ah oui, elle a l'air de s'être blessée. Ouais, ouais, elle peut pas bouger. C'est le problème des gens blessés. Voilà, ça augure. C'est assez bien à l'instant. Bah, non, elle avait déjà mal, je pense. On va passer sur le terrain numéro 2. Ok. Tous les joueurs sont valides. Physiquement, en tout cas. Et je pense que c'est un petit peu plus tendu. On a vu quand même un point levé de la part d'Alfred Leroy, ouais. qui n'est pas présent tous les jours. Ouh, ouais, qui prend la bande. Et bim. Oh. Ouh, le doublé. L'identité argentonaise, si je me permets. C'est ça. Les bandes. Ça propre. De n'importe quel côté, il pose ce ballon sur le sol. Ouais, c'était très beau. Ouais. C'était oui, parce que. On a eu le même point des deux côtés. Et on aura sûrement le même encore beaucoup de fois. Bon, rappelons que si on venait à gagner, on assurerait la deuxième place, synonyme de seconde place. Juste après la première. C'est très bien. Mais mieux que la troisième. On va débrancher le micro. Par contre, c'est bien, ça saute plus. Oh, on a repris deux personnes de plus.
On note les informations parmi nos 852 personnes qui regardent. On nous demande le score, effectivement. Et il y a actuellement... On envoie un commentateur sur le terrain pour aller récupérer les informations nécessaires. Et on vous donne ça. 7-2. Donc c'est 7-2, si vous avez bien entendu. Mais merci pour vos précieux conseils. Ok. Maël, elle est au top. Maël, elle joue bien. Hein. Maël, très très en forme. Ouais. Maël joue très bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez pas montré la différence de match, mais il y a un joueur en moins, côté argentin. La petite pépite du. Non, vous ne pouvez pas. Le joueur qui fait souvent la différence. Vous l'avez deviné, c'était au départ. Joue pour peut-être la dernière fois à domicile en interclub, puisqu'il a décidé de faire le tour du monde. Il part à Guéret. Rejoindre les Calvaniacs. C'est décisif. Ah ouais, hein, c'est ça. Pas, on ne voit pas à l'image, mais franchement, la coupe qui est pour beaucoup. Ça. On pense vraiment que ça lui a une dimension aérodynamique. Alors qu'Alfred revient à ses premières jeunesses quand même en termes de coupe de cheveux. Avec un peu plus de pilosité sur le visage, mais. Oh. Il y a aussi des belles choses de la part de notre équipe. On vient de perdre les genoux de le terrain 1. C'est rattrapé sur ce point gagné. Bonjour Loan Forgé. Des petites interventions comme ça, des joueuses du club. 7-9, donc l'équipe est bien montée sur le terrain 2. Ouh. 8-9. La Roche-sur-Yon qui montre des belles choses sur le terrain 2 avec une belle remontée. Oh. Allez, volant pour arriver à la pause. Service mail. Alors attention, excellent. Ok. Super retour. Dommage, 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 dommage. Ok, on est sur une grosse tension. Un groupe de raquettes. C'est ça, mon ami. Excellent. Tu te mets des petites notes. Community manager. Les gars. En vrai, on se fait notre petit kiff et c'est très très bien. Oh, bah oui, oui, oui. Ah, Benoît Ranchot qui fait une petite intervention. Vous racontez trop de merde. Non. Big up à Benoît. Benoît, on pense à toi. On prend vos précieux conseils, du coup. Oh là là, Louis et ouais. Zoé qui ont du mal à finir ce match. Ils sont pourtant sur le point de match. Hop, on regarde. Non, on est en effet. On regarde le point de match, peut-être. Oui, attention. Est-ce que ça serait Zoé qui serait décisif? Non, pas du tout. Et non. Pas pour le moment, en tout cas. Pas pour le moment. Tant qu'il n'en reste pas 13 de plus, nous sommes bons. C'est peut-être celui-là. Oh là 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 là. Mais c'est normal, il propose des belles choses en face. Il va falloir quand même s'accrocher. Il va être plus décisif. Ou. Attention. Ou belle défense en face. Peut-être que ce match de Zoé, que ça se terminera. Et non. Et ça ouais. Premier point rapporté par Louis et Zoé. C'est ça. Notre père linéaire. On retourne tout de suite au terrain numéro 2. Et donc, je me permets de vous annoncer 1-0 pour Argenton face à La Roche-sur-Yon pour cette 9e journée de National. Alors, je me permets de t'annoncer que je l'avais annoncé. Peut-être dans le titre.
titre. Spéciale dédicace à Jérôme. Qui cherche encore. Aïe, aïe, aïe. Ça ne passera même pas au-dessus du filet de l'Euro. On va pouvoir aller chercher Louis qui nous fasse un débrief sur cette rencontre. Et oui, c'est sûrement Louis, que quand on parle de Louis, c'est le capitaine de cette équipe. Donc, j'ai dit Louis, mais Loïc aussi peut dire. Et donc, Loïc, voilà, qui n'est pas Louis, en fait. Je sais pas si on peut. On a tous nos jeunes supporters, tous nos moyens supporters, tous nos plus âgés supporters. J'aime les appeler. Moyens, c'est un petit peu péjoratif, c'est très mauvais car ils sont parfaits. Ah, t'es bien. Très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on règle nos commentaires comme on règle les caméras. Petit à petit, on va devenir bon. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Un volant raté par Maël. Quel dommage. Le service. On est déjà à 42 minutes de conneries. De direct. Il se donne encore plus par un centimètre. Ah. Un centimètre. Xavier vient de travailler. Et donc, oui, Xavier, son petit moment d'interview, parce que qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est son anniversaire. Il passe une dizaine. La poule en délire. Je ne sais pas si vous les voyez. Si, si, on les voit très bien. Si, on les voit. Nous avons reperdu 4 spectateurs. Ah, merde. Ah oui, Argenton est derrière. Ça va, Elise? 18-15, ça sent le troisième set. Hein. Est-ce qu'ils vont être capables d'inverser la tendance? On est de 3 points, effectivement, comme l'a dit mon collègue. Et c'est faute. C'est dommage, mais elle avait pris une initiative au filet. Une option. Que dis-je, une option? Je veux dire ça. C'est peut-être le point de ne pas perdre. Malheureusement, il est plus cédé. L'adversaire l'a reçu. Bon, votre pronostic de 8-0 tient toujours? Bien sûr. Ouf. Juste des petites hésitations sur cette match. Ok, après qui se bat bien? Comme un beau diable. Oh là là. Oh, dommage. C'est dommage, vous avez vu la même chose que nous sur votre écran. On part sur un troisième set. Et c'est fun. Exactement. Hein? Que il est à ta peur. Heureusement que nos supporters sont là. Petite pour, pause. Animer ce gymnase. Bientôt il y aura ta pub. Mais oui. C'est quoi? C'est sur là, ici. Et tu choisis ce que tu veux mettre là. Très bon. Que une merveille vient de rentrer dans le gymnase. Il s'agit de la fille du commentateur à ma gauche. Ah, vous l'avez le Père Noël qui était venu? Oui. L'avez-vous? T'as vu le Père Noël? Nous cherchons Monsieur Pasquel. Tu l'as vu le Père Noël? Oui. Ah, d'accord. Oui, il est parfait. On va aller le chercher, le Père Noël. Non, non, pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Peut-être que ça va ramener du monde. Ah, je l'ai vu. Oh, chanson. Tu sais comment il joue? Non, pas du tout. Merci.
tu vois, il y a une note démarrée de 3 comme ça. Vont-ils réussir? On gagne 1 euro. Et un partout dans ce match. C'est ça. Nous apercevons donc que lorsqu'Anthony n'est pas là, il y a moins de commentaires débiles. C'était donc lui. Sérieux, reprend le dessus. Et effectivement, plus de spectateurs, c'est normal. On fait tout pour le garder à distance, mais on vous garantit rien. Comme vous pouvez voir, on a pas mal de tensions sur ce match. Un match serré. Avec un bon niveau de jeu proposé des deux côtés. Tous les spectateurs de la salle sont réunis derrière ce match. Le terrain est pour l'instant en pause. C'est dommage, mais qui se bat, mais ça passe pas le filet. Ils subissent pas mal durant ce match. Pas tout le temps en attaque. Et voilà, encore une cloche. De garder cette attaque constante, ne pas trop relever car je ne sais pas si vous avez bien. Et mon intervention, excellent. Bonne amortie. Et oui. Nous pouvons montrer. Ah. Que... pas mon dommage. Merde. Non, non, ça ne va pas. Ah, dommage, le fait qu'elle ait une interception en l'air. Qui n'est pas passé malheureusement. Vous pouvez aller lever pour aller vous dire le score. C'est donc 18 pour la paire de leur action. Simple de basket. Contre Moté Stéphane, arbitre Clément.
une connexion instable. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est le simple homme 2 qui s'est lancé sur le terrain numéro 1. Non, après, il ne s'est pas lancé. Oui, ça c'est chat, mon frère. Ils ont été appelés. Mais... Oh, l'ambiance est horrible dans le gymnase. On est donc en pause sur l'intervalle de la pause à 11. 11-8, il me semblerait bien. Non, ça se voit pas sur les annonces, trop bas. Ah, mais en forfait. C'est pas ça, il se... Viens là. Viens là. Tu sais que l'autre jour, j'ai regardé la vidéo Combini là, qu'on avait faite pendant le confinement. Faut garder. C'est en direct là ? Non mais vous me faites faire quoi là, sérieux ? C'est parfait. Nous sommes avec Alexis Sauvage. Alexis, bonjour. Bonjour. Comment est-ce sérieux ? Mais qu'est-ce que vous me faites faire quoi ? Tu passes sur YouTube. Donc, on est ravis de te voir. Tu as fait le trajet pour venir voir ton équipe ? Exactement. Voilà, tu as le droit de dire des conneries. Personne ne me regarde tout le monde. Ben, j'ai fait un très long trajet. Tu fais un très long trajet de 15 minutes quand même. C'est vrai. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir tes pronostics sur la journée ? Alors j'ai pas eu le temps de regarder les compos vu que je viens d'arriver. Ouais. Mais je vais aller regarder ça avec Xavier, en plus c'est son anniversaire. Mais... C'est son anniversaire. Un petit mot pour Xavier. Bon anniversaire Xavier. Merci Alexis. Merci à vous. Ouais, j'ai gagné. Par parfait. C'est vrai ? Ils ont fait du jeu. Je sens qu'elle est blessée, elle peut plus marcher, elle peut plus tendre la jambe. Ah, ouais, on a vu que je l'ai. Au moment, Argenton est mené. Au troisième set. Alexis, toi qui regardes le match, qu'est-ce que tu en penses techniquement ? Alors, on est bien arrivé. Très bien. A priori, Alexis est plus intéressé par le fessier de Louis que par le match de Louis. Mais il n'a pas de scotch. Et ça revient sur le mixte. Oui, c'est vrai. C'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué, on les sent dans le dur. Faire un premier set facile, peut-être trop facile. Ça va ? Ils se sont laissés surprendre. Ça va ? Ça va bien ?
Ça, ça va? Ça marche bien? Ça marche bien. Écoute, on t'entend, vas-y. Tu, si tu veux faire une chanson, tu peux. On peut. Y'a? Oui, je réussis. Je le dis, Louis. Alors que voici la, la malgache du club, hein. Elsa Margou qui passe. C'est chaud, chaud, chaud sur la table. Yes, bien vu, Maëlle. Pas payé. Ouais, super. Oh, je vois pas bien. Okay. Oh, dommage. Oh, dommage. Vingt-dix-sept. Oulala. Trois volants de match à sauver. Bravo. Un partout. Très joli match de La Roche-sur-Yon. Allez, on repasse sur Louis Pascal. La démarration simple. Mais Elis fait tout pour qu'on ne voit pas le résultat. 7-3 pour le monde pour Louis Pascal. Un neuvième spectateur de nous rejoindre. Merci à lui. Il va pas encore entendre ce gars. Ah, on peut faire une dédicace aussi à Johan Demier, qui est actuellement. Qui nous regarde de Tenerife peut-être. Hein Johan Demier qui nous regarde des Canaries. Bon, c'est trop tard. Hein. C'est fait. Et oui, déjà, on peut dire les bêtises. Et oui, on peut parler de la Coupe de Chaud de Louis, par exemple. Ça, c'est fait. Oui, c'est compliqué. Oui, qui a fait un très très bon match de mix. Et qui se laisse un peu endormir, j'ai l'impression. Est-ce que la tête dit. Bah non, t'entends, bah oui, tu peux. T'as rien, tu sais. C'est peut-être pas que. Ouais, ouais. Peut-être pas que je fasse. Tout le monde va m'entendre. On sent que t'as le Covid, actuellement. Ouais. Est-ce que Benoît Beaujean nous regarde aussi? Peut-être. Demande-lui. Benoît, si tu nous regardes, dis-lui. Tu peux nous laisser un petit message. En tout cas, on est très content de représenter Argenton National. N'est-ce pas? Super lui. Merci. On voit Camille là qui est en difficulté.
Non, mais là, c'est devant chez moi. Je vous avais manqué sur les terrains, mais aussi dans les commentaires. Donc, mais voilà. En tout cas, on voit que la salle se remplit. Et oui, on a même les sponsors qui commencent à arriver. Ouais, on a nos billets qui arrivent. C'est ça, les billets. La salle se remplit. Et pour cette dernière, on a pas mal de monde, donc c'est très bien. D'autant plus que si on les additionne aux gens qui regardent le live, moi, ça change pas en jeu. Non, mais on a toujours au moins 300 personnes à chaque fois. Toi, j'ai un 300 là. Non, je blague, bien sûr. Merci beaucoup à vous d'être là. Pensez également à la buvette pour faire vivre le club. On va vous mettre un lien de la carte. Et aussi le lien de notre canal Litchi. Ça va, Quentin ? Salut. Tout à l'heure, je suis passée comme ça. Allez. Et on a le visuel sur le 5 plan 2. Hein ? J'ai mis le lien sur la page. Ah, du coup, tu vois pas. Qui s'en sort très bien. Il arrive bien à récupérer l'offensive dès le début. Parce que si des gens qui se passent vite, on ne voit pas. C'est ça, il a bien compris. Quand c'est l'opportunité, il descend au volant, il essaie d'écarter le jeu. C'est là qu'il se crée des espaces, pour l'instant, ce que j'ai vu. Pas trop de fluidité à la dilettante. Donc, malheureusement, y a encore une blessée chez nos adversaires. Donc, Emilia a gagné par forfait. On va faire un petit interview d'Alfred qui vient de finir son match. Alfred vient d'arriver. Non, mais je peux pas, mec, il faut que j'aille jouer après. Okay. Alfred, on vous entend derrière. Il ne peut pas, mec, il faut qu'il aille jouer après. Je non, vous relate les faits. Là, il faut que je me mette dans ma bulle. Bah, Alfred, on t'entend, donc tu peux. Alors, attends. Okay. Je peux aller avec ça sur le terrain. Dis-nous un peu ce qui s'est passé. Les gens t'entendent ce qui s'est passé pendant le match. Il y a combien de viewers? 10. Non, mais ça, je peux dire des conneries. C'est pas déconnant. Non, qu'est-ce que je peux te dire? Bah écoute, premier set, on était bouillant. Mais en vrai, non, ils n'étaient pas dans leur assiette. Et après, mec, c'est pas bien passé. Je peux pas te dire autre chose. Pourtant, vous avez pris l'attaque au début, après, vous êtes retrouvé à défendre. Ouais, bah en plus, ils faisaient que de croiser. Bah ouais, c'est ça. Ils croisaient tout le temps dans le retard, ils faisaient des petits plongeons à deux. Ah, c'est le coup de la GA2. C'est la déstabilisation. Sur des équipes, surtout quand on joue à domicile, la GA2 est plus violente, je trouve. Bon, après, mec, ça te va trop bien, c'est un truc de ouf. Ah ouais. T'es parti pour gros simple. Ouais, mais mec, je sais pas contre qui joue. Tu vas voir. Je joue contre le mec que j'ai perdu. Le mec que t'as joué. Mec, ça va être chaud. Hein. Et tu sais que je croyais que je jouais contre lui, moi. Mais non. Hein, ah oui, de la dernière fois, c'est lui, sympa. Bah, du coup, c'est sûr que tu joues contre lui. Et que, mais ouais, mais moi j'y vais bientôt. C'est excellent. C'est excellent. Donc, je peux pas, j'ai pas de. En vrai, j'ai en réalité, je vous parlais en tant que passionné, en tant que passionné du sport. Oh merde. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on puisse pas assister à ce simple dame qui est pourtant mon tableau favori. Non, c'est dommage parce que même il y a plein de gens aujourd'hui, c'est la dernière. Ça aurait été bien qu'on ait tous les matchs. Ouais, effectivement, on va tourner à 6 matchs. Et de 8, donc c'est quand même pas négligeable. Ah, cependant, je pense Johan que... est bien là. Big up, Johan. Bienvenue à Tenerife. Je pas cela ne va pas déplaire à certains joueurs. On nous regarde des Canaries. Il y a que... Qu'on finisse plutôt. Il n'y a que 9 personnes qui regardent, mais on nous regarde du Canary. C'est-à-dire qu'on est un peu... Ouais, mais peut-être qu'il y a le Canary aussi. On ne sait pas. À mon avis, il y a aussi... Cela, il va une réelle dimension internationale. Je ne sais pas si vous avez pu entendre, on nous regarde depuis les Canaries. Et donc oui, je disais que le fait d'avoir de notre chemin ne déplaira pas à certains joueurs des Rouges qui sont bien contents d'être au bar plus tôt.
C'est pour fêter l'anniversaire de Xavier, rappelons-le. La trentaine. Autrement dit, 15 plus 15. Très bien, c'est le rugby ce soir. Ouais, c'est vrai. Si je peux me permettre une analyse, le joueur de l'Argent qui, je trouve, se met souvent en difficulté sur ses services longs, car lui a un bon piqué. Ouh, ça c'est un bon piqué. Voilà, on va lui transmettre. Là, on a un pouce bleu. On peut peut-être rappeler les prochaines échéances. Tao, votre prochaine rencontre de national. Alors, la prochaine rencontre de national se déroule le samedi 23 avril. Est-ce que tu pourras jouer? Je pense être sur pied pour cette date-là. Non, à domicile. Il reste une journée que ça. Normalement, d'ici combien de temps tu penses pouvoir rechausser la raquette? Comme à mon habitude, je joue sur des raquettes et donc je pense pouvoir la remettre à mon pied d'ici à l'aide de 2 semaines, j'aimerais bien. Donc tu seras là pour le 9 avril. Le 23. Le 9, je pense que tu seras pas là. Si, oui, je savais. Le 9 avril, je pense que je serai aussi présent. Super. En chair en os, peut-être sur un de roulant. Ouh, la spéciale de Louis. Le plongeon. Louis qui se fait dépasser sur un river slice croisé. Il manque le score. 4-1. Et oui, Louis se fait manger. Mais c'est toute une question de perspective en fait. Parce que 4-1, certes, c'est 4 fois plus que l'adversaire, mais c'est 3 points de plus. Si on prend l'exemple de 20-10, c'est que 2 fois plus. Pourtant, il y a 10 points d'écart. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Ça dépend de ma interprétation. Oui, parce qu'il y a le bon score et le mauvais score. C'est très bien, c'est très bien. Oui, qui revient. Lui qui se laisse pas faire, on l'a vu prendre peut-être une pause pour rechausser sa raquette. Lui, je trouve qu'il se fait balader, qu'il joue pas mal sur son adversaire. Ouais, il est pas assez incisif. Je trouve qu'il retrouve pas son schéma tactique du premier set où il descendait vite les volants sur les côtés. Là, il se regarde un petit peu. Peut-être les cheveux qui font ça. Je ne sais pas. Oh. Francier. Voilà, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il y a une adaptation de son adversaire en jouant plus au centre du terrain sur ses lobes. Ce qui perd un petit peu lui, il n'a plus trop de repères au fond. Comme on dirait dans le milieu du bail, il joue en zone 2. Et si on retourne droit. Oh là 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 là, retour droit, mais retour foot. Ouais, sur des volants un peu mous, un peu avion comme ça. Sans beaucoup d'impact. En fait, il fait pas le jeu, il se laisse endormir. Hein. Ok, là je sens. Ok. Je sens qu'il a récupéré un peu. 8-7, je crois, pour lui, Fasquelle. Il y a combien? 6-7-8-6 pour la retour. Ouais, c'est ça. On comprend quand même que c'est un match qui n'est pas du tout gagné d'avance, même si sur le papier, Pascal d'Argenton a plus de points. Voilà qu'il se fait déborder. Ok. Rappelons quand même qu'il a un set d'avance. Effectivement. Du coup, il reste un simple dame, un simple homme et un double homme. Il ne reste que 3 matchs, vu qu'il y a 2 matchs forfaits. Le joueur de la Roche-sur-Yon qui propose un sacré niveau de jeu depuis quelques temps. Il faut une vraie différence de 20
voyons pas, que je ne percevais pas durant le premier set. Oui. Ouais, c'est le clac. De toute façon, tous les gens, ils regardent, ils mettent même pas le son. C'est clair. C'est une certitude. Ils sont au boulot, c'est dans le côté, ils montent juste l'écran. Ah oui, qui est motivé. Je viens d'apprendre ma titularisation pour le match de D2 de mardi soir. Félicitations, félicitations. Christophe, qui est officiellement, qui jouera en D2. Et il a réussi à prendre sa place, ce n'est pas négligeable. Vous reviendrez me commenter bien sûr ce match. Louis qui... C'est excellent. Là, il nous montre de quoi il est capable. Qui se bat comme un beau diable, mais ça ne suffira pas. Le volo qui est en plein milieu du couloir. Effectivement, il arrondit un peu loin, presque dans les mains du capitaine Loïc Souchot. Mais il est d'or. Excusez-moi pour cette erreur. Lui qui revient bien. Il est désormais sur un score de 10 de chaque côté. Ok, l'adversaire qui prend son temps. Voilà, je pense que lui doit mettre un peu plus de vitesse dans le jeu. Ouais. Ouais. Il se fait pas mal avoir. Bravo. En fait, l'adversaire vient chercher le volant plus tôt. Lui qui est plus dans la un peu la dilettante, la fixation. Et ça marche pas du tout contre. Il est prêt pour la télé. Et donc la pose à 11 sur le terrain numéro 2 pour l'instant, c'est stand-by. Une petite page de pub. Vous avez bien sûr tous les sponsors que l'on voit afficher sur l'écran. Je ne vais pas vous en afficher encore beaucoup, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Les logos peuvent bien sûr être réduits si jamais il y a de la pancarte. Partout dans le gymnase, nous avons encore de la place, sur les voilà. Jogging. Pour dessiner une bouteille de coca, si vous voulez. Ça repart sur le terrain 1. Avec le simple main. Pour ceux qui demandent, j'imagine qu'il y en a plein. Mathieu, pour vous. Ah non, bon, ça gagne. Ça gagne pour l'instant. 3. 11 partout. Pour ceux qui demandent dans les cours, BCRI, c'est Badminton Club Roche-sur-Yon. Oh. Le joueur de la Roche-sur-Yon qui vient accrocher cette ligne sur ce match. As-tu vu le Père Noël, Yette? Tu l'as vu le Père Noël? Eh oui, car le Père Noël vient nous voir à chaque national à domicile. Surtout quand les enfants qui regardent, et bonjour. Et lui qui se bat bien après cette bande de la Roche-sur-Yon. Je trouve Louis un peu court en longueur. Voilà, sur ces coups-là. Ce qui permet aux joueurs de la Roche-sur-Yon de rester. Rester vraiment au milieu de son terrain et de quand il veut, grâce à sa main de qualité, pouvoir déborder son adversaire. Sa main de qualité. D'accord. Très très bien. Ouais. Heureusement que Louis a ses petits coups de son cours, qu'il arrive à bien mettre en place, surtout sur les services de son adversaire, ses petits slices, ses river slices. Dès qu'ils ont un peu de vitesse sur les côtés, qu'ils écartent bien le jeu. On est à 14-13. Oui, effectivement, Loïc a repris la tête. Je pense que psychologiquement, ça ne peut lui faire que du bien. Ah, c'est dommage. Le volant qui vient en collision avec la bande. 14 égales. 14 partout.
Les deux hommes se serrent les coudes. Oui, bien sûr. Une danse de carioca. Leur score est à présent dans un mouchoir de poche. Les mouches ont changé d'âge. Ouh, la bande. Ouh, la bande. C'est la bande. C'est monsieur Motet, il me semble. Tu représentes La Roche-sur-Yon avec 16-14. Mais avant, le badminton, il n'était pas comme ça. Et non, avant, le badminton, il n'était pas comme ça. Car avant, il chaussait les chaussures. Avant, maintenant, parce qu'il y a du monde qui joue. C'était comment avant? C'est toujours la question de ce que c'était comment avant. La Dave, je pense que pour mieux savoir avant. Comment c'était avant, nous pouvons interviewer quelqu'un qui commence à se faire vieux, encore plus aujourd'hui d'ailleurs, et c'est Xavier Gaillard, qui a, comme j'aime le dire, de la bouteille dans le badminton. Et pas que dans le badminton. Et oui, dans le foie aussi. Il tourne autour de la bouteille, il en mange. C'est égalité. Je vous relate l'interjection du joueur de La Roche-sur-Yon. Ah, tu es mauvais. Je ne pense pas que se décrire comme ça est nécessaire. Le roi Alfred, Mollet, François. Allez, 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 oui. Le roi Alfred contre Mollet, François sur le deuxième terrain. Ça vient d'être lancé par Alexis Sauvage, notre speakeuse. Je crois que tu commences à être pas trop mauvais. C'est vrai qu'on a retrouvé, notre voix. Alexis, c'est un peu la voix de la nationale. C'est vrai. Que je dis que c'est vrai alors que je n'ai pas trop d'expérience dans ce club, mais je me permets quand même de le dire. Oui, depuis cette année. Ouais. Ok, lui, tu reviens à 17-17. Allez, lui. Sous les applaudissements de tout son club. Son club de cœur, son club d'amour, son club de tous les jours. À tous ceux qui réécouteront le match plus tard, désolé. Et pour la première fois, il ouvre bien grand sa bouche et vient calmer son adversaire avec ce petit smash. 18 à 17. Ce n'est qu'un point, mais... Mais quel point ? Là, il y a un peu de retard. Et ça peut être... C'est exactement ça. Bravo, il le retrouve, ce petit slice. Pour moi, c'est slice qui ont porté ce match. Donc, 17 à 2 points de. Excuse-moi d'un petit peu hausser la voix, mais les émotions sont présentes. On va te la laisser. Et donc, Louis. Il est à 20-17. Il a quand même quelques volants de match. Une petite avance qui lui permet. Et c'est le match. Bien joué. Je me permets de poser le micro et je vais essayer d'aller dégoter une interview juste pour vous. Tu veux que je prenne les deux ? Tu peux interviewer quelqu'un là ? Attends, mais je peux m'éloigner là ? Si je m'éloigne, ça... Si je m'éloigne, ça va pas... Non, mais là, il est trop loin. Non, non, mais je vais le ramener devant la caméra. Non, non, mais sinon, si tu vas aller... Mais là où il est, c'est trop loin, non ? Non, je pense pas. Ah ouais ? Ok. Tu veux une interview ? Tu veux une interview ? J'ai une gueule à me faire interview. Allez, c'est vraiment. Putain. Tu veux une interview ? Non, je vais interviewer. S'il vous plaît. Je vais demander. Après tout, en direct. J'ai envie de
part félicitations. Comment sens-tu physiquement, mentalement, sur les appuis? Mentalement, ce n'était pas un jeu qui me correspondait de ouf en face. D'accord. J'ai beaucoup dû m'adapter adapter mon propre jeu. Plutôt pour moi, allemand, c'est un jeu différent. Ouais, ça. Le jeu n'est pas forcément en équation avec celui de votre adversaire. Exactement. Je vous dire quelque chose. Je trouve que votre slice droit a été la clé de ce match, notamment sur le service de votre adversaire, mais aussi les points. C'est ce volant dans l'espace adverse. Bon, allez, après, je vais pas dire de. Fort que les autres. C'est vrai que mon slice droit est plutôt très tué. Point, oui. Je l'ai trouvé. Il était en place. C'est vrai. Voilà. Et voilà, donc c'était la petite interview de notre simple. Et dès à présent, on vous passe sur le terrain numéro 2 avec le simple. Avec mes collègues commentateurs d'une minute à l'autre, au cas où ils vous auraient. Oh non, il était trop bien en plus l'interview. Et tu vas pas faire que manger toi. C'est pas que tu régales. Oh merde. Elle était incroyable. Donc un petit tour des terrains avec tous nos spectateurs. Oh putain. Donc là, tu es en direct, Clara. Donc, les filles, qu'est-ce que vous pensez de cette première, ce premier match? C'est très beau, c'est très petit. Là, on est avec, donc pour ceux qui ne les voient pas, on est avec trois futures joueuses, on espère, de la nationale. Puisqu'il s'agit, trois demoiselles aussi. On peut le dire. A priori, quelqu'un qui cherche un mec. On parle d'Adrienne Leroy, Chloé Guillemin et Clara. Chloé, elle est en foot, là, après, je dis rien. On parlait juste des joueuses de la Et ben, je vais vous laisser, les filles. Non, mais si tu veux qu'on commente les matchs, c'est plutôt serré. Il y a de la pression, il y a du mouvement dans les tribunes, il y a beaucoup d'ambiance. Après, il n'y a pas beaucoup de bruit, ta gueule. Il y a du mouvement dans les tribunes. Très bien. Enfin, ça c'est va. Plutôt bon signe, ça veut dire que les gens sont vivants. Ouais, c'est que ça va, quoi. Très bien. Les filles, merci. De rien. C'est une bonne journée. Bonne journée. On se prochaine. Maintenant, nous sommes avec quelqu'un de très prestigieux au club. Il s'agit de Benoît Bejon. Benoît, bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue au club. Salut, comment ça va? Les demi-mêlés sont partout, les demi-mêlés sont derrière l'écran, sont dans le gymnase. Là que tu vois le match, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que tu as un niveau qui est équivalent. Comment ça se fait que tu ne joues pas? Je ne comprends pas. Il faut demander au sélectionneur ou au coach. D'accord. Ah, moi, je suis pas son mot à dire. Non, je ne suis pas du capitaine, il faut voir avec Loïc. En tout cas, ça fait plaisir de te voir ici. Non, j'en prie. Je te sens à l'aise. Très à l'aise. Donc, je vais te laisser le micro. Tu puisses en profiter un petit moment. Ça me fait rire. Est-ce que tu veux commenter un peu le match? Non, du tout. Très bien. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu nous barres une bière. Ok. Ah, on pense à vous. Je te dis à plus tard, Benoît. De même.
en direct. Salut. Ça va. Donc là, nous sommes maintenant avec Caroline Bernard. Donc, Caro, merci de mettre l'ambiance. C'était un peu, tu fais partie des éléments forts du public. Caro a perdu la voix. Je suis désolé, elle ne va pas pouvoir commenter. Mais comme c'est méchant, comme c'est quelqu'un. Merci de me donner la parole. C'est important de partager ces moments, ces journées avec tout le monde. Mais quel club, quelle équipe, quelle ambiance. Quel entraîneur, quel journaliste sportif, hein, exceptionnel. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait effacer tout ce qu'on a dit après. Et on passe maintenant avec Clément Banchereau. Clément, le roi du tap-tap. Ouais. Alors qu'il n'a plus qu'une main, félicitations Clément, je suis fier de toi. De toute façon, le 29 mars, c'est bon. Je l'aime. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Est-ce qu'il vaut mieux que tu fais du snow? C'est probable. Après, je n'avais pas forcément d'expérience au snow. Donc... Bon, c'est plutôt sympa. Ça se passe pas mal. On parle de bad, du coup, ouais. Si tu veux nous parler de bad. Bah ouais, c'est cool. On gagne. Allez, les rouges. Et vive la France. Merci, Clément. Un petit joyeux anniversaire à Xavier, quand même. Joyeux anniversaire, Xavier. Mais regarde, est-ce qu'on n'attend pas un match avec impatience aujourd'hui, Clément? Le double homme. Le double homme. Il y a qui joue, tu peux frapper? Landry Guillaume et Maxence Liro. Moi, je suis assez impatient de voir ce match. À tout à l'heure. On n'arrête pas de vous en parler depuis tout à l'heure. Il est là. On est en direct avec lui. Ouais. Il s'agit de code, c'est quoi? Xavier Gaillard. Kiki. C'est bon, c'est nickel. On a vu qu'il en moment. Hein. Donc, ça va être Kiki le Kiki. Donc, si vous venez un jour à Argentour, vous pouvez avoir internet grâce à Kiki le Kiki. Xavier, il y a à peu près une trentaine de personnes qui t'ont souhaité un joyeux anniversaire aujourd'hui. Pas faux. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 30? Donc tu n'as pas mal. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Ouais, sauf qu'on n'a pas internet et ça commence fortement à me chauffer les étiquettes. Écoute, nous on est en direct, tout se passe bien. On me redit une en direct là. Est-ce que je peux faire un petit appel à YouTube, s'il vous plaît? Oui, vas-y. D'avoir une connexion internet avec un mot de passe viable pour qu'on puisse rentrer les scores et lancer des matchs. Mais plus que personne n'écoute. Heureusement qu'Alexis s'appelle Alexis et pas Kevin. Vu que c'est Kiki, sinon ça aurait été Kéké le Kéké. J'ai même plus ton Kiki le Kiki. Non, parce que je te dis, même moi, je capte. Putain, ça me rend dingue. Bonne fin de rencontre. Merci, à plus tard. Et maintenant, nous venons avec notre joueuse de simple, Emilia. Bonjour. Emilia, qu'est-ce que tu penses de ce simple de mail? Incroyable. On a vraiment de la chance d'avoir des joueurs avec du talent. T'as encore gagné? Ouais. Par forfait? Ouais. Bah, je pense que les joueurs ont peur de moi. Ça doit être ça. On va dire que c'est ça. Bon, pronostic. Bah, pronostic, on va gagner. Très bien. Très bien. On va gagner. Un score? 11-8 pour Maël. D'accord. Et un petit mot pour Tao qui est peut-être la dernière à domicile cette année. Ah là, il va bien nous manquer. Hein. C'est le seul qui savait parler à peu près français. Et qui avait encore une coiffure potable comparé aux autres. On l'a bien entendu, hein. Tu pourras te retaper les 1h30 de monologue de Tao sur le direct. Parfait. N'hésitez pas. Ah, et voici la surprise. Merci, Emilia. Ah, de rien. C'était un réel plaisir. Moi aussi.
tu dis un petit coucou au Père Noël. Du coup, Camille, quels sont les conseils que tu as donné à Maëlle? Pas beaucoup de conseils, puisqu'elle sait exactement ce qu'il faut faire. Bon. C'est bien. Bonjour. Ça va. Et on continue le tour des supporters. Donc là, on est avec Lola. Salut Lola. Salut. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce match? C'est bien. Je ne mets pas la pression, tout le monde t'entend. Tu es en direct sur YouTube. Donc, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à Maëlle si tu pouvais? Je sais pas. Tu sais pas? Elle joue déjà très bien en fait, il n'y a pas de conseil à lui donner. C'est ça. Ok, d'accord. Ben, merci Lola. Et donc on finit avec la maman d'Elsa. Oui, bonjour. Donc, on est ravis que vous soyez là aujourd'hui. Avec moi aussi, je suis très intéressée. Depuis le temps qu'Elsa fait tout pour que vous ne veniez pas, donc on est vraiment heureux. Oui, mais moi je suis très contente. Alors le badminton, c'est sympa? Oui, c'est bien. Ouais, j'aimerais bien tester. Ah, bah parlons-en. Et bien bientôt alors. On vous invitera à venir tester le badminton avec nous.
Thank you.
doit y avoir toi, moi. Je pense que je viens de faire un monologue d'une heure et demie. Il y avait moi, Alfred, Kaena. Alfred qui est on fire là sur ce fin de match. Moi, Alfred, Kaena, Andrea. Non, c'était, ils étaient au lycée. Bah, c'est tout. Ah, le volant pas loin de la ligne, c'est dommage de la part du joueur argentonais. Ouais, je pense que c'était. Mais je suis trop triste. Mais j'ai fait des boulots de ouf comme là. Je pense que c'était une relique. Le gros smash d'Alfred. Le dégagement en difficulté. Oh, le. Oh, mais quel point! Quel point de la part du joueur argentonais et de la part du joueur de La Roche-sur-Yon. Et c'est conclu par le joueur argentonais. C'est bien joué. Un maximum d'applaudissements pour le rouge. C'est un bon point. Je crois que mon compatriote s'est trompé. Le rouge a perdu le point. Si je puis me permettre une intervention un petit peu hâtive. Et c'est un river slice de qualité. Et je ne sais pas le score, mais... Je crois que nous approchons de la fin de ce match. Effectivement, la fin du match qui conclurait ce deuxième. Et c'est gagné un maximum d'applaudissements pour le joueur argentonais. On laisse la salle s'exprimer. Et le Père Noël qui arrive sur la caméra. En effet, pour tous les enfants qui nous regardent, il est là, à l'Hôtel Cubel. Nous allons dorénavant changer de caméra pour venir voir la joueuse argentonaise. Et bah non, c'était faux parce que le match. Et on vous propose quand même la fin du match aussi. Les petites applauses et le serrage de main. Une interview des joueurs. Une interview, pourquoi pas. Il faudrait qu'ils viennent et qu'ils se posent devant votre caméra. Et bah, Michel, je vous propose d'aller chercher. On y va. Vous bougez pas. Je ne bouge pas, va. Pas de problème. Eh oui, je suis prêt. Alors, on a nos deux gagnants des deux simples qui viennent de se dérouler sur les terrains 1 et 2 de notre complexe. Non, surtout pas. Qui
qui arrive pour l'interview. Non, non. Faut que tu parles dans Story Fist et que tu te foutes devant le truc vert. Non, je peux pas attendre, gros. Mais si, vas-y. Mets-toi les mains. On dit quoi? C'est quoi la caméra? On parle de quoi? On parle de quoi? Attends, mais je suis prêt. Ok, attention, on a quand même Alfred Leroy qui vient heurter cette pancarte verte. C'est bon. Et on parle de quoi? Du match. Alors, je vais vous passer mon collègue qui va poser des questions. Attends, et je parle là. Bonjour à vous deux. Qu'avez-vous pensé tout d'abord, nous allons commencer par le mixte. Qu'avez-vous pensé votre ressenti sur votre match de mixte? Alors, le premier set était bien, mais après, manque de régularité et on a perdu deux autres. Mais ça arrive. On va faire mieux la prochaine fois. Exactement. Voilà, faut pas rester sur. Oui, faut pas qu'on reste sur cette défaite. On reviendra meilleur la prochaine fois. Merci. Exactement. Donc, c'est la mentalité des joueurs de Argenton. Maintenant, individuellement, chacun votre simple. Donc, on va commencer par le sexe le plus élevé. Maël, qu'est-ce que c'est de ton simple? J'ai pas l'habitude de faire du simple. C'était un match plutôt cool. J'ai su gérer mon adversaire comme il se doit pour me manger du. Et voilà, au final, Et physiquement, comment tu t'es senti? Ça a été. Très bien, et bien joué à toi, Maël. On va passer maintenant à ton simple, Alfred. Oui. Ressenti sur ton match de simple, physiquement. J'ai pas l'habitude de faire du simple. D'accord, donc tous les deux, ok. Mais il y a le match que tout le monde veut voir, donc on va repasser en direct. Ouais. Oui, bon, écoutez, on vous fait tous de gros bisous et puis faites attention à vous sur la route. On vient de vous repasser sur le terrain 2 du complexe avec le match tant attendu de vraiment toute la ville d'Argenton. Et il n'y a aucun abusement. Mais on a deux likes. Il y a surtout. Je pense qu'ils aiment bien les commentateurs. Nous voulons. Touche pas mon pote. Bah bien sûr. Mais oui, mais c'est Anthony. Enfin, je sais pas, les tutos dans ce coup. Et nous remarquons que nous avons quelqu'un de très connu dans le chat. Les tutos d'Anto. Que je vous propose d'aller voir la chaîne YouTube. Ces vidéos, oui, bien sûr, qui sont très intéressantes. Souscrire un abonnement. Très intéressant et un peu de rigolade, notamment. Il n'est pas très très drôle, mais bon. Bon, ça après, c'est chacun ses goûts. Il ne faut pas y aller pour se fendre la poire, mais. Et notre collègue nous propose. Mais on va se rapprocher du terrain d'aller, pour entendre les coups de volant. En immersion, comme on dit dans le journalisme. Et comme j'aime le dire, en tant que commentateur sportif de badminton de haut niveau. A tout de suite. T'as vu, on prend deux chaises. Non. Mec, tu commentes. Mec, tu commentes à faire, mec. Allez. On peut se mettre là. Eh ouais, vas-y, mets. Vas-y, prends-tu. Et voilà, donc nous sommes actuellement en direct en totale immersion de l'échauffement de ce double d'enfer que tout le monde attendait. Vous excuserez, il va y avoir un petit délai, donc on spoilera tous les points. Pendant cet échauffement, nous avons oublié un petit détail. C'est l'anniversaire d'un grand joueur, on peut le dire. Je pense qu'on l'a dit déjà 27 fois. Mais... D'accord. Me le répéter. Encore un joyeux anniversaire à notre cher sans cheveux adoré. Xavier Baptiste Gaillard. Le fils de l'ancien président de la Ligue, on peut le souligner encore une fois. Aujourd'hui, encore président. Oui, mais président du club. Oui. Ne l'oublions pas. Tout à fait. Nous ne lui enlevons pas toutes ses médailles. Un échauffement, ma foi, plutôt normal de la part des deux équipes. Ça a salué là-bas. Je vais voir si on ne peut plus.
Allô, allô. Et je me permets de ne pas parler trop fort car ils sont à quelques mètres de nous. Ça, tout cela me donne beaucoup d'émotions. Alors, et notre jeune joueur pauliste qui va recevoir ce service. Donc 0-0 égalité. Et c'est de là qu'on commence. Tout match commence. Donc on le rappelle à tous nos téléspectateurs, évidemment, vous pourrez regarder les replays sur la chaîne YouTube USA Argenton Badminton. Pas de droite. Un maximum d'applaudissements. La salle parle pour nous. Je crois que l'auteur cubain n'a jamais connu une telle ambiance. Allez, c'est parti. Et ça commence à premier volant dans le filet pour les rouges, mais c'est pas grave. C'est le premier match, le point chauffe. Ah, dommage. Des garçons qui vont devoir être vigilants dans leur trajectoire pour ne pas offrir de petits cadeaux, comme nous venons de le voir à leur adversaire. Voilà, Diff. Ils en sont capables. Là, nous avons à faire un beau point. C'est là-dessus qu'on les attend. C'est très bien joué pour les rouges. L'un de vos services. Service long. Ils se battent sur tous les points. Ils se battent sur tous les points. La défense est là. Aïe, aïe. Les garçons qui vont voir un petit peu se poser, ne pas trop se précipiter dans ce match. Malgré eux. Leur cœur qui va s'emballer un peu avec. Attends, comme le dit, Alfred Leroy, membre du club. Maintenant, une décennie. C'est bien joué. Bon service de la part de Maxence. Ok. Et qui se relaie bien au fond. C'est bien. Et qui vient aplatir ce ballon. Aujourd'hui, je crois qu'il bon de rendre le volant que de faire des bandes. Il va falloir faire attention aux trajectoires, comme je l'ai déjà dit il y a quelques points dans cette rencontre, car dès que le vent monte un peu, l'impact en retour est fortement présent. Mais l'impact est pas moins. Il se débat tel un chef, mais cela n'est pas suffisant. Un chef si,
percevoir sur la chaîne de coach un grand joueur. Le capitaine de la nationale 3, équipe 50, Loïc Souchot. Maintenant, on peut voir pour Loïc Souchot. Vous qui êtes chez vous. Celle qui ne peut plus les ok, ça se bat. C'est dommage. Landry qui vient jouer avec les commentateurs, comme j'aime le dire. Landry n'est peut-être pas encore rentré assez dans son match, mais on le connaît. Il a souvent du mal à rentrer dans son match. Il rentrera d'ici. Un bon point, c'est là-dessus qu'on l'attendait. Bravo, Landry. C'est des joueurs qu'on surnomme les diesels. Malheureusement, ils ont choisi des bris de rechargeables. Et les petits cartons rouges qui perdent désormais de 3 points. Et bien effectivement, rien. Car c'est un bon pressing de la part de l'Antoine. Bespay. Plus 2. Ah. Le service long de la part de notre jeune joueur et c'est dommage. Le score, il est actuellement bonne option. Nous espérons dorénavant que coach, le capitaine Loïc Souchot, saura trouver ses mots pour redresser nos deux camarades argentonais. On le connaît, on sait que les choses qu'il fait très bien. Là, internet avec ses joueurs. Ah, comme il aime le faire, il saisit la carte de coaching pour montrer en réalité les vrais gestes de badminton. Et la salle tout s'emballe. Je ne sais pas, je crois qu'on ne vous l'a pas dit, mais notre joueur qui joue en 3e et en 3e, ce qui est... Première du badminton. Et oui, le jeune homme qui vient de taper n'a seulement 13 ans. Ça ne sera pas suffisant. Alors, la vraie du match va essayer de passer au-dessus de ce mur de joueurs et au-dessus de ce filet. En l'occurrence, numéro 1 de ce... Et ça, c'est bien joué de la part de Maxence. Bonne pression d'attaque. Nouveau jeu de combat. Donne démonstration. Quand je parle de démonstration, je ne parle pas de ça. Faible sur la défense, un peu mais il faut tout de suite se ressaisir après un point perdu. Passer au-dessus. Et Landry au service sur ce terrain. Va falloir qu'il trouve le fil cette fois. Il va falloir qu'il se place en première place. Oh, aïe, je crois que ça a été un petit peu trop slicé, peut-être.
Et ça casse c'est du côté cordage, cordage cassé, cordage cassé. Et non, et il parvient quand même. Ce bruit tu as peut-être déstabilisé les adversaires de La Roche-sur-Yon, ce qui a permis à Maxence et Landry d'en toucher ce point. Excellent. Maxence qui est décisif. Ils sont présents, les Argentins. Maxence décisif. En riche d'émotion. Oi, 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 oi. Oi, oi. Ah. C'est très très bien battu de la part des joueurs de La Roche-sur-Yon. Maxence et Landry qui ont été majestueux sur leurs multiples défenses. Nos, mes deux compatriotes qui se parlent d'alcool. Il va falloir un petit peu remotiver les troupes. En effet, c'est 21-14. Ce n'est pas, c'est pas, ce n'est pas grave, mon cher. C'est 20-14 en réalité. On peut toujours espérer une petite cheville. Côté de l'orge. Ah, non. On espérera au deuxième set une cheville de la part des joueurs de La Roche-sur-Yon. Nous avons un capitaine qui arrive avec le visage plutôt fermé. Qui sera ouvert au moment des paroles avec ses joueurs. Vous savez que... Nous allons écouter les paroles du jeune coach. Et je vous remercie. Cette phase de défense. À l'écoute du coaching argentin. Voilà, nous venons d'entendre le coaching. Donc, il est dit de poser un maximum derrière le filet pour nos joueurs argentonais. Donc, nous allons voir s'il reste le rôle de ce jeune. Coach Aperon, j'ai mis mon terme. Une faute, c'est pas grave, il n'y a que 1-0, ne vous inquiétez pas. Changement de volant exigé par un joueur de La Roche-sur-Yon. Stéphane Moté, on peut le dire. Smash. Gauche et droite, c'est fait la différence. C'est lui qui doit réussir à poser juste derrière. Ils vont y arriver, ils vont y arriver. Tous avec, tous avec eux. Voilà, c'est ça. C'est, ça, c'est bien joué. La de divorce. Se fait prendre par Landry. Je sais pas si c'est Landry. Académie Cablois. Les croisés font du genou. Ah, l'aide demandée par Maxence. C'est bien mental. Une faute pour le retour. Mais. Ne faut pas. Les arbres. Sylvain lui a tout pris. Oh. Si on se met. Et allez.
Bon retour, mais l'adversaire a eu de la chance et fait un bois croisé, bande. Nous sommes de Pug. Côté argentin, on manque un petit peu d'impact, peut-être sur les attaques, sauf que du coup, on donne tout sur les dégagements, ce qui provoque quelques fautes comme celle que l'on vient de voir à l'instant. Bien provoqué par du joueur de Argenton. Allez, c'est pour venir, c'est maintenant, allez. Le service pirate. Attention, le jump. Exactement ce qui m'a valu une cheville. Oh, il l'a... Ah putain. Stéphane Mottet côté La Roche-Parion avait anticipé et a pu bien sûr dévorer le filet sur cette action de Maxence un petit peu brinque-ballante dans les airs, si je puis me permettre. Et ça, c'est un bon smack. Ils ont bientôt la moitié des points de leur adversaire. Mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est leur première expérience. Et ils se débrouillent très 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 bien. Ils seront bien sûr félicités tous les caps, toute la salle. On croit encore en eux pour aller chercher ce set, puis le second, puis le match. Un petit mot, futur champion de France. Ça me manque. Bon, un petit. Ça me manque pas. Championne. On a le coach d'Arto, Anthony, nous qui a des analyses très pertinentes. Je lui dis qu'il a faim, il dit simplement mange. Je trouve que c'est une leçon. C'est la pause sur ce second set. Nous allons se retrouver juste après pour. Nous allons écouter le débriefing de la coach. Je propose peut-être une page de pub avec à l'affichage nos sponsors, bien évidemment. À commencer. Tour de service précis. Je trouve les bonnes distances, j'ai la longueur. Vous êtes une équipe pour enlever une attaque. On vous attaque, mec qui perd l'attaque. Arrête de retenir l'attaque en permanence. Prenez votre temps. D'accord. Là, vous voulez aller vite, allez vite. Vous croyez que c'est des gens qui tapent dans des bâtons? C'est le cœur d'Argenton qui sonne. Et voilà, donc c'était le coaching de l'entraîneur de Argenton. Devant, très connu dans l'Indre, voire dans la région. Donc voilà, nous espérons qu'une pression comme cela sur les joueurs, et on y croit, bien évidemment. Allez, le match est reparti. On sent que les conseils du coach ont été bénéfiques. Dommage que le Matos qui a tenté une variation de service qui malheureusement a été dehors. C'est ça. Maxence qui vient éplorer la ligne. C'est un enchaînement de coups qui font presque des bisous, si tu peux me permettre, à la ligne. Je suis désolé de m'animer, mais j'étais de soutenir mes petits points. On dit mes petits choux.
J'espère que chez vous, téléspectateurs, pardon, c'est pareil que dans votre café ou votre chaise ou votre toilette, à fond. Même au travail, pas de problème pour ça. Motet qui les mène en batte. Motet qui construit tel un joueur de Fortnite. Qui s'emballe. Elle a bien raison, elle a bien raison. J'ai. Je vais utiliser une expression qui m'est chère. Argenton reprend du poil de la bête. Avec un bon millier de spectateurs, je veux dire, dans la salle. Et oui, nous avons des agents sur place qui les ont comptés un par un. Tel Xavier Gaillard. Qui, nous le rappelons. Oh. Il a perdu. Et... célèbre aujourd'hui son trentenaire de vie. Pour dizaines, ça doit être dur pour les autres. Il va commencer à y avoir du pack d'autres. Peut-être okay, même deuxième pause, c'est pas grave. Petite pause de la part de nos Argentonais pour reprendre un peu leurs esprits. À la fin de ce match, nous entamerons un débat. La calvitie, est-il un problème? Et oui, car c'est le thème lié aux 30 ans de Xavier Gaillard. Et c'est la fin de ce match. C'est la fin de ce match. Enfin, nos Argentonais pour une première, c'est déjà très bien. Poser le micro pour aller appeler. Allez, on pose les micros. Nous arrivons pour la fin de ce premier direct de US Argenton Badminton. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si le live vous a plu et à laisser un pouce bleu. Je ne sais pas, surtout, ça a un très bon goût, donc j'ai tous les pouces bleus. Non, un petit peu plus de sérieux. Certes, c'est une défaite pour le double argentonais. Quelle expérience a été acquise durant ce match? Je pense que vous ne pouvez même pas imaginer l'expérience emmagasinée durant cette période de jeu. Et là, je... Donc voilà, c'était le dernier match et on se retrouvera pour d'autres folies sur d'autres lives. Merci à vous les téléspectateurs.
porté par la roche. Argenton gagne la rencontre 6-2. Thank you.